Alors, c'est un tableau qui représente un village comtois de bourgeois qui date des années 60. Simplement, on ne sait pas où c'est. C'est un des grands peintres comtois de cette tradition de peinture comtoise d'après-guerre. Il a toujours continué à exposer à Paris dans, un salon qui s'appelait les peintres témoins de leur temps, qui est au Palais Galliera à Paris, où tous les ans, il a présenté une pièce avec d'autres peintres comme Bernard Buffet, comme Cocteau, comme enfin toute cette génération. Et ce tableau-là a fait partie d'une exposition des peintres témoins de leur temps en 1976. C'est un peintre qui s'appelle Jean-Marie Vuillet, qui est un peintre qui est né à Villers-Excelles. Et lui, là, il a travaillé par exemple la place Saint-Pierre enneigée avec la fontaine. Il y a une perspective un peu étonnante. Et il y a vraiment une tradition de peinture comtoise qui a été vraiment défendue par le Salon des Annonciades à Pontarlier, hein, qui a vraiment contribué à cette école grâce à Bichet. Bichet, Charigny, tous ces peintres-là, oui. Et aujourd'hui, il y a des collectionneurs qui s'intéressent à toute cette peinture, à notre patrimoine, parce que ça fait partie du patrimoine de la région. Hein.